On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. On vous parle d'une nouvelle exposition au Centre d'art à Sabrevoix. L'exposition s'appelle « Un autre regard ». C'est bien sûr dans le cadre du mois de l'autisme. C'est vraiment très, très, très intéressant. Il y a aussi une programmation musicale aussi à venir au cours des prochains mois. Mais d'abord, parlons d'EcoVap, une nouvelle entreprise en fait qui date de 2012, entreprise de nettoyage mobile à la vapeur. À l'occasion du mois d'avril, du côté du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, la personnalité du mois se nomme Linda Chartier, propriétaire d'EcoVap. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est EcoVap? EcoVap, c'est une compagnie de nettoyage à vapeur mobile. Vous avez fondé ça comment et dans quelles circonstances? Ça a commencé avec mon mari qui avait été au salon de l'auto. Mm-hmm. Et là, il avait vu une machine à vapeur qui nettoyait les autos. Alors, ça l'intéressait, ça l'intriguait. Il est arrivé à la maison, puis il dit, « Qu'est-ce que tu dirais si je partirais un petit sideline? » Alors, ce petit sideline-là, à fin de compte, il est devenu un petit peu plus grand. Ça a grossi. Et oui, ça a grossi. Fait que c'est ça, on a commencé, on a fait des recherches. On a été chercher une petite machine à vapeur. Puis de là, bien, on a continué, on a eu des demandes, puis là, bien, on a été chercher une remorque, une génératrice, une deuxième machine à vapeur. Ouais. Alors, ça a continué, plein d'accessoires. Puis c'est ça, c'est de bouche à oreille qu'on s'est fait connaître, mais surtout avec le regroupement de travailleurs autonomes qui m'ont beaucoup encouragé. Des personnes passionnées, je voyais le passion, puis c'est là qui m'ont vraiment donné le goût de continuer. Quelle est la particularité de cette machine en question? Parce que parfois, on voit à la télé là, certains trucs pour faire de l'entretien ménager. On voit ça des fois dans les téléannonces, là, une petite machine à vapeur pour nettoyer le contour du bain, puis ces trucs-là, mm-hmm. le contour des fenêtres. Est-ce que ça ressemble à ça ou c'est différent? C'est un petit peu différent. Dans mon cas, moi, ma machine, ma petite machine, ça a l'air d'un gros toaster. Ouais. Pas plus gros que ça, mais c'est sûr que c'est un équipement professionnel. Le prix n'est pas pareil comme les machines qu'on voit. Oui, exactement. Bon, ça, c'est votre petite machine, mais vous en avez une plus grosse aussi? J'en ai une plus grosse qui, elle, a l'air d'une grosse shop vac. Puis elle, bien, c'est parce qu'elle respire l'eau aussi, la vapeur. Ouais. On peut envoyer de l'eau aussi avec le savon ou juste la vapeur. Quel est l'avantage du nettoyage par vapeur? Bien, premièrement, c'est très écologique. Puis aussi, ça stérilise quand on nettoie. Ça rentre dans les... Supposons le tissu, ça va aller chercher en dedans le tissu très facilement. C'est sûr que les accessoires qui viennent avec. Là, on ne fait pas juste shooter la vapeur. Il y a les accessoires qui vont avec. On peut faire aussi des tapis. Puis c'est ça, aller en profondeur... Dans tous les raccoins. Qu'est-ce que les gens font nettoyer? Parce que votre mari, lui, avait vu l'appareil au salon de l'auto, probablement dans un démo d'une voiture. Bon, ça mm-hmm. va. Maintenant, dans la vie de tous les jours, parce que vous êtes mobile, dans le fond, là, oui. vous vous promenez, tout ça. Ouais. Mais quand vous arrivez chez les gens, ils vous demandent de nettoyer quoi, au juste? On a eu plusieurs contrats. C'est sûr que nous, en partant, c'était l'auto puis des roulottes. On mm-hmm. fait beaucoup de roulottes dans les campings. Mais on a eu des appels, puis à un moment donné, on a eu à faire des casiers d'école. Ah ouais. Oui, ah, des casiers d'école. Parce que, bon, ils ont beaucoup des collants dessus. Ouais. Il était plein de collants. Puis bon, la directrice, elle voulait avoir un nettoyage. D'acheter d'autres, ça coûtait trop cher. Fait qu'ils nous ont demandé de voir si on pouvait les aider sur ce côté-là. Puis, en effet, on a été capable de faire de la belle ouvrage, même serrer les casiers à l'extérieur. C'est sûr que la rouille dans le fond, qui est complètement rouillée, là, c'est des vieux casiers, mais on a pu ramener puis faire quelque chose de bien. On a aussi été faire une chambre d'hôtel qui avait des punaises de lit. Ah, vous faites ça aussi? Disons que c'est pas... C'est pas une extermination. Non. Dans mon cas, où ce qu'on y était, c'est un exterminateur avait passé, puis les lavres, eux autres, ne... Étaient restées. Bien, ce qui arrive, c'est que l'exterminateur avec le chimique ne peut pas
les faire disparaître. Fait que les larves, il a demandé de qu'on passe et qu'on... puis c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé, puis là, on fait tous les meubles, et le tapis, pour être sûr que, qu'il ne reste rien. Parce que, dans le fond, vous, vous êtes capable de nettoyer le tapis avec votre machine. Oui. Et ça, ça va donner un résultat qui est semblable ou sinon même mieux qu'à la méthode traditionnelle avec les machines là, qui envoient des produits, qui pompent l'eau et tout le kit, là? Ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup, excepté que le, dans notre cas, c'est que c'est beaucoup moins trempe. Nous, la vapeur, c'est à peu près, nos machines, c'est à peu près 5% d'humidité. Alors, il n'y a pas d'eau, vite, exactement. Ça va sécher plus vite. Et il n'y aura pas d'eau qui va coller. Prenons l'exemple, là, on est au début avril. Là, et très souvent, moi, chaque année, je fais nettoyer mon véhicule, les tapis là, qui sont pleins de calcium et tout et tout. Oui. Bon, traditionnellement, il y a deux, trois façons de le faire. Est-ce qu'effectivement, votre machine peut enrayer la présence de calcium oui. dans les tapis de voiture? Oui, définitivement. C'est un de nos gros succès pour les voitures. On reçoit beaucoup, beaucoup de voitures. Et déjà là, j'ai beaucoup de demandes de voitures intérieures. À faire, là, aussitôt qu'il commence à faire un petit peu plus chaud, là, on n'a pas été chanceux à date, mais c'est ça, ça nettoie très bien le calcium, le sel. Donc ça aide beaucoup, là. Oui. Parlez-nous de vous un peu. Bon, d'abord, vous êtes né à Montréal, donc vous êtes à Saint-Jean depuis combien de temps? Nous, ça fait 15 ans. 15 ans, qu'est-ce oui. qui a motivé votre arrivée ici, dans la région? Bien, j'étais à Chambly avant, j'étais 5 ans à Chambly. Puis en 2000, bien, on cherchait une plus petite maison pour acheter un plus gros bateau. Puis en fin de compte... C'est pas ça qui s'est passé? Non, parce que j'ai tombé enceinte d'un troisième. Puis là, bien, on a trouvé une plus grosse maison. Puis pas de bateau. Un petit bateau. Et c'est ça qui nous a emmenés. Puis j'avais trouvé une maison. Parce qu'à Chambly, je pense que je les avais tout fait, puis on ne l'a pas trouvé. Puis finalement, ici à Saint-Jean, sur le bord du canal, on a trouvé avec un quai, fait que c'était parfait. Ça, c'est le kit parfait. Oui. Avant de fonder EcoVap en 2012, auparavant, vous étiez dans quel domaine? Moi, j'étais longtemps en téléphonie. J'étais au Bell plusieurs années. J'ai aussi travaillé à une autre compagnie, Mascatel, à Saint-Hyacinthe. Et avant de commencer la compagnie, j'étais réceptionniste pour des Quick Hero ici à Saint-Jean. Mais à l'époque où vous étiez en téléphonie, c'était quoi votre travail? J'ai commencé téléphoniste, puis après ça, j'ai eu un poste de technicienne. Fait que j'ai appris à monter les poteaux. Fait que le travail manuel, ça me connaît pour justement poser les lignes de téléphone. Il n'y avait pas avoir beaucoup de femmes qui grimpaient dans les poteaux? Non, ça commençait pas mal. C'est un des projets qu'ils faisaient au Bell dans le temps. Puis bon, j'ai été chanceuse, puis Puis vous avez fait ça pendant combien d'années, grimper dans les poteaux? Puis tout ça? Les poteaux, au début, j'ai pas fait ça longtemps. Je pense que j'ai fait 6 mois. Puis, je m'avais fait un entorse. Fait qu'ils m'ont dit, bon, ben, on va te retourner chez téléphoniste. Mais ça a donné qu'on a tombé en grève. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Et puis, après ça, ben. Puis, votre mari, lui, il est dans le camionnage, c'est ça? Il est camionneur? Après sa pension de Bell. Il travaillait chez Bell aussi? Oui, lui aussi. Il était technicien. Également? Aussi. OK, oui. C'est là que vous vous êtes rencontrés. Oui. Donc, après sa retraite de chez Bell, il est tombé camionneur? Oui. Et là, lui, il vous laisse partir une sideline... Avec les machines à vapeur. Exactement. Puis finalement, c'est tombé dans votre cour. Ben oui. Oui, en effet. Fait que la paperasse, puis tout, c'est moi qui s'occupe. Mais il est là quand même assez souvent pour m'épauler. Il va couper ses journées comme les saisons estivales pour travailler. Ouais. Donc, le travail manuel pour vous, ça fait longtemps que c'est en vous, là. Oui, oui. Puis... quand même assez en forme. Je suis une fille qui a fait du karaté des années et des années de temps. Fait que, oui. Qu'est-ce que ça vous a amené d'être membre du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu? Qu'est-ce que ça a amené? Premièrement, c'est une famille. C'est rendu une famille. Puis c'est justement de voir ces personnes-là tellement passionnées à faire leur ouvrage. Puis ça m'a vraiment comme donné le goût, moi aussi, de dire, OK, c'était pas mon choix à moi, mais c'est venu à ça. Puis là, bien, je suis contente de ce que je fais. C'est sûr que tu programmes tes heures, tu travailles quand tu veux. Si j'ai à aller à l'hôpital avec un des enfants, je prends off, je le sais, là, tu sais,
c'est d'être autonome. Autonome, c'est le nom. C'est le nom, le dit. Oui. Donc, l'entreprise existe depuis 3 ans, c'est bien ça. Donc, vous avez un site Internet qui est ecovap.ca. Exactement. Les gens peuvent obtenir du détail. Mais principalement, votre activité est toujours mobile. Donc, vous vous rendez chez les gens, c'est ça? Oui. La majorité du temps? Ça va arriver que des amis vont venir chez moi, puis je vais faire le travail là aussi. C'est sûr que c'est pas... où ce que je reste, c'est pas, c'est pas commercial, mais... Mais sinon, c'est ça. La majorité du temps, vous vous rendez chez les gens, que ce soit pour les véhicules, les terrains de camping, probablement les saisonniers là, qui ne peuvent pas bouger les roulottes, donc qui ont besoin de ça. Parlant de ça, c'est un exemple, parce que les gens qui font du camping, parfois, vont s'acheter une roulotte ou un motorisé, puis disons que les gens qui l'avaient avant étaient fumeurs. Mm-hmm. Parfois, on le sait, ça reste l'odeur, on a beau nettoyer, mais ça reste pris dans les tissus. Est-ce qu'avec votre machine, on réussit à faire disparaître les odeurs de cigarettes? Pour être honnête, on a eu une auto qui sentait beaucoup, beaucoup la cigarette et ça n'a pas toute partie. C'est sûr que nous, ce n'est pas juste la vapeur. On va prendre des produits biologiques que j'ai, qu'on s'est fait conseiller et j'ai tombé en amour avec ces produits-là. Ah oui? Oui, c'est des produits biologiques qui viennent de la France. Qui est maintenant importé ici. Il y a un fournisseur ici maintenant qui va embouteiller le produit. Puis avec ça, vous êtes capable de... Puis avec ça, c'est une belle odeur de fraîcheur. Puis ça marche bien. Là, souvent, le monde dit « Ah, des produits biologiques, c'est pas efficace. » Ou des odeurs de moisissure aussi, ça peut arriver. Des fois, des dégâts d'eau, des trucs comme ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Enlever les champignons, là, qui peuvent... Oui, à un certain... Ça dépend aussi. C'est sûr, exactement. C'est sûr que si c'est dans le bois... Là, ça, c'est pas mal fini. On change le bois. Oui, exactement. Là. Mais non, on réussit à faire vraiment de la belle ouvrage. Madame Chartier, merci beaucoup et bonne chance. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition au cours du mois d'avril, dans le cadre du mois de l'autisme, du côté du Centre d'art de Sabrevois. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons des activités à venir du côté du Centre d'art de Sabrevois. Avec nous, sa présidente Annie Ducharme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Vous avez entre autres une exposition qui va prendre forme au mois d'avril à l'occasion du mois de l'autisme. Exactement. Donc, une exposition qui va se nommer, mais qui se nomme Un autre regard. On a plusieurs expositions depuis le début du Centre d'art. Et comme vous le savez, j'ai déjà mentionné, moi, je travaille avec des enfants autistes depuis 2002. Et étant donné que depuis plusieurs années, je suis dans le milieu aussi culturel, c'est une idée que j'avais dans la tête qui était là depuis longtemps, de faire quelque chose pour le mois de l'autisme dans la région, de faire connaître... les besoins, de parler des besoins des familles, de parler des besoins des jeunes et des personnes autistes. En fait, d'informer la population. Et évidemment, étant donné que je suis dans le milieu culturel, je voulais faire ça à travers une exposition. Et là, j'en ai parlé avec les gens du comité, puis on a décidé d'aller de l'avant. Et probablement, ça va être une exposition qui va revenir à chaque année aussi. Et qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir? Alors, l'idée au départ, c'était d'aller chercher des jeunes qui se démarquent par leur art, soit en art visuel ou soit en musique. Puis là, ça a pris une autre forme.
Donc, en fait, les gens vont pouvoir venir voir plusieurs artistes. C'est un collectif de jeunes artistes. Le plus jeune a 5 ans. Wow! Oui, et c'est un jeune avec qui je travaille depuis 2 ans, qui fait de la photo. Donc, il fait de la photo avec son iPad, mais il y a vraiment une façon de voir et de regarder les choses, une autre perception totalement différente. Et quand j'ai commencé à regarder ses photos avec sa mère, j'ai dit « OK, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose avec ça ». Donc, c'est parti au départ des photos de Cristobal, il se nomme Cristobal. Et par la suite, je me suis dit « OK, on fait ça pour le mois de l'autisme, mais je vais aller voir dans notre commission scolaire, on a 25 classes TSA, de TSA qui veut dire « trouble du spectre de l'autisme ». Donc, j'ai envoyé une lettre aux directions d'école pour voir s'il y avait des professeurs qui avaient envie d'embarquer dans ce projet-là. Et j'ai eu une réponse de l'école Euclide-Théberge à Marieville. Le professeur Éric Bélair, qui a une classe de secondaire 1, était bien enchanté de pouvoir participer à cet événement-là. Donc, il me dit, viens voir ce qu'on fait et tout. Entre autres, j'ai une élève qui se démarque parce qu'au départ, c'était ça. Ouais. Et quand il m'a parlé du projet qu'il avait fait avec les élèves, j'ai fait « Wow, on expose tout le monde ». Parce que le projet, ce sont des masques qu'ils ont moulés à partir de leur visage. Et pour les gens qui ne connaissent pas l'autisme, c'est pas facile pour eux de rester couchés, puis de se faire manipuler, puis se faire mouler le visage. Tu as juste 2 petits trous pour respirer, pas de bouche. Ça dure combien de temps, ce moulage? C'est long, là. C'est les bandelettes et tout. Alors, quand j'ai vu toute la démarche que M. Bélair a fait là, pour amener ces jeunes-là à embarquer dans ce projet-là, de prendre un exemple sur une autre personne et tout ça, j'ai dit « OK, mais... » C'est extraordinaire. On expose tout le monde. Juste faire comprendre aux gens par où toutes les étapes qu'ils ont faites. Par la suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont travailler artistiquement le masque, le peindre, tout ça. Donc, tous les élèves de cette classe-là vont exposer. Et en plus de ça, on a aussi un ancien étudiant de la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui a 20 ans aujourd'hui, qui était aussi dans la classe de M. Bélair, qui s'appelle Jonathan D'Auteuil. Et c'est un artiste multidisciplinaire vraiment impressionnant. Donc, lui, il fait de la forgerie, il fait des épées. Ouais. Il sculpte ses manches dans des bois d'orignaux, il fait des bijoux dans des os de chevreuil. Bon, ça, c'est sûr que moi, ça me... Je trouvais ça drôle parce que c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé. Fait des masques. Donc, on va pouvoir voir beaucoup de ses œuvres aussi. Les autistes peuvent être drôlement créatifs. Et, ah oui, oui, oui. C'est incroyable. Bien, moi, je vous dirais que j'ai travaillé avec plusieurs enfants depuis 2002. Ils sont tous différents. C'est pas vrai que tous les autistes peuvent avoir un côté artistique développé. Mais quand ils sont artistes, ils ont vraiment une façon de percevoir les choses qui sont différentes de nous. Donc le vernissage se tient fort bientôt, je pense. Le vernissage, c'est le 9 avril, jeudi, le 9 avril à 17 h. Donc, tous les artistes vont être là, sur place. Il va y avoir le professeur aussi, évidemment. Donc, on va parler de la démarche. Il va y avoir des photos des étapes pour le masque. Il y a aussi une élève de M. Bélair qui s'appelle Audrey Cordeau, qui, elle, dessine des mangas. Donc, on va exposer aussi ses dessins. Et au cours du mois d'avril, on va avoir aussi une conférence le mardi 28 avril à 19 h sur la thérapie comportementale. Donc, l'idée, c'est aussi de faire connaître une forme de thérapie, d'informer les familles qui veulent avoir un service dans ce sens-là. Il va y avoir aussi des parents lors de cette conférence-là qui vont parler de leur expérience avec la thérapie comportementale. Le Centre d'art de Sabrevoix existe depuis combien de temps maintenant? Nous avons ouvert en octobre 2011. Ça fait quelques années déjà, non? Octobre 2011,
Ça a été le premier événement lors des Journées de la culture, oui. Vous êtes situé au 1224, rang du bord de l'eau. En fait, quand on est dans le village de Sabrevoix, on tourne immédiatement à droite. Vous êtes donc dans une ancienne église, c'est bien ça? C'est l'ancienne. En fait, c'est une église anglicane qui date de 1840. En fait, c'est la première église anglicane francophone du Québec. C'est vraiment un endroit magnifique avec les vitraux d'origine. Prenons l'exemple sur l'exposition là, qui a cours au mois d'avril. Les gens qui veulent aller la voir, quelles sont les heures de disponibilité pour voir cette exposition? Idéalement, nous avons une page Facebook. Oui. Donc, toutes les communications passent par la page Facebook. À part le vernissage, il y a les fins de semaine, le samedi et le dimanche, de 13h à 16h. Et pour toute information, il y a mon courriel aussi, si les gens veulent avoir l'information. Mais principalement les samedis-dimanches. Samedi-dimanche de 13h à 16h, oui. Bon. Au-delà de l'exposition dont on parle depuis le début de l'entrevue, mais vous avez aussi une partie, une programmation musicale, spectacle. Il y en a évidemment qui sont déjà passés, mais vous avez là aussi des spectacles intéressants à venir. Là, je prends l'exemple du samedi 11 avril, oui. Où vous avez la présence de Philippe Berghella, là, qui a fait la voix l'an passé. Exact. Un beau garçon, apparemment. Oui, tout à fait, là, oui. qui roule sa bosse depuis quand même fort longtemps. Oui. Donc, spectacle de Berghella, ça c'est au mois d'avril. Mm-hmm. Vous avez après ça, fin avril le 26, un concert baroque avec Jean-Yves Saint-Pierre et Leslie Young. Exact. C'est la musique française, flûte et clavecin. Avant, nous avions des séries de concerts. Mm-hmm. Maintenant, c'est un peu... On a des concerts le samedi, le dimanche matin. Nous avons aussi des concerts à l'heure de l'apéro, le dimanche à 16h. Les gens peuvent suivre notre programmation sur notre page Facebook et sur maculture.ca aussi, également. Pour aller voir. Oui, également... C'est toujours mieux de réserver les billets. Il y a quand même Parce seulement... Vous avez combien de places, à c'est peu près? C'est ça, 70. 70 places, donc oui. Ça peut se booker assez vite. Là. Ça se book assez vite, oui. Puis, il y a le dimanche 24 mai, on reçoit Mimi Blais, qui est la reine du ragtime. Pour ceux qui ne connaissent pas le ragtime, c'est un peu la musique... si on regarde Lucky Luke, là, quand il joue dessus. Donc, c'est un peu ça. Et Mimi, elle fait le tour du monde avec sa musique. Elle est en tournée actuellement. Et elle a sorti un album dernièrement qui est un hommage aussi à Marcel Gauthier, qui était, mm-hmm. que tout le monde, beaucoup de gens ont connu dans la région, qui était un musicien qui est décédé il y a 2 ans. Maniaque des oiseaux et tout ça, qu'elle a bien connu. Donc, cet album-là est sorti. Puis elle va présenter les pièces le 24 mai. Et dimanche, le 31 mai, 16h, donc à l'heure de l'apéro, vous avez Maryse Choignière. Donc, on parle de jazz, de blues, de poésie, mais oui. Accompagnée également au piano par Valérie Lahaye. Exact. Valérie Lahaye et Mario Rodrigue à la guitare. Donc, il va y avoir des textes d'auteurs connus et moins connus. Et avec les arrangements de Valérie. Donc, ça risque d'être très... Mais il n'y a plus de billets. Ah oh non, c'est déjà complet? C'est déjà complet, oui. Wow! Oui, c'est déjà complet. Ça, c'est puis pour vite. Mimi Blais aussi, il faut se dépêcher. Est-ce qu'il n'en reste pas gros? Bien, pour 70... Berghella, il en reste un peu? Oui, ça, il en reste. Il faut vérifier quand même, là, mais... C'est plutôt le Berghella, c'est le samedi 11 avril à 20h, donc c'est un samedi soir. Oui, c'est juste après le vernissage de l'exposition... pour le mois de l'autisme. Juste pour dire que le mois de l'autisme, ça fait quand même depuis 1987 au Québec que la Fédération québécoise de l'autisme parle beaucoup puis essaie de sensibiliser les gens à la cause de l'autisme. Et je pense que c'est important de plus en plus d'en parler. J'avais juste fait une petite recherche. Il y a quand même 120 000 personnes au Québec qui ont leur diagnostic d'autisme. Puis une augmentation de 367 d'élèves autistes dans le réseau scolaire du Québec quand même, hein? De 2002-2003 en 10 ans, en fait. Donc, je pense que c'est une cause qu'il faut que les gens puissent comprendre comment une personne autiste fonctionne, parce que c'est pas une maladie, l'autisme, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental. Et puis, je pense que c'est important d'intégrer ces personnes-là dans notre société, dans le milieu de travail... Donc, plus on va faire connaître l'autisme, plus on va pouvoir les intégrer plus facilement
dans les entreprises. Donc, si vous désirez consulter la programmation du Centre d'art de Sabrevoix, vous pouvez aller consulter maculture.ca ou sinon la page Facebook directement du Centre d'art de Sabrevoix. Donc, programmation musicale, on en parlait il y a quelques instants, ou encore, bien sûr, le mois de l'autisme du côté du mois d'avril, donc le vernissage le jeudi 9, exposition et conférence Un autre regard, sinon disponible les samedis et dimanches entre 13 et 16 heures. Et conférence le 28 avril sur la thérapie comportementale. Merci beaucoup. Bonne merci, chance. Merci, merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Une belle activité pour vous et vos enfants. Le mystère de la page perdue, présenté le samedi 25 avril. Il y a deux représentations. Bibliothèque Adélard Berger, côté Saint-Jean, et également Bibliothèque Saint-Luc. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, vous dire que le télébingo, exceptionnellement 4 000 en prix, parce que la carte pleine est aussi de 500 à 2005 pour ce dimanche, le dimanche de Pâques. C'est à 9h30. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. TVHR9.com ou encore 358-1912. À demain. Bye-bye.